Hey, hey, hey! Salut mes petits culs et bienvenue pour ce nouvel épisode des Sims médiéval. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle quéquette, la naissance d'un auteur, et on va prendre en compte notre belle Cersei, la ménestrelle. Tout mon royaume avait besoin d'un barde talentueux pour faire le récit d'actes héroïques et de combats intenses, et Chabit ne dérogeait pas à la règle. Le talent nécessaire pour inscrire ses contes et ses chansons dans l'histoire était-il présent chez Cersei, la ménestrelle? Alors, on a le choix entre plagiat, organiser un concours pour trouver de meilleurs auteurs de théâtre des territoires, la compétition est féroce, mais un barde possédant une morale et géométrie variable peut l'emporter sans problème, ou travail acharné, il y a un prix à payer pour obtenir l'essence de la réelle créativité. Explorer les sombres profondeurs et les impressionnantes hauteurs de l'esprit mènent à coup sûr à l'inspiration. Cela ne sera pas facile, mais les récompenses personnelles et professionnelles compenseront. Oh, j'ai envie de faire le travail acharné. De l'art de qualité nécessite de s'impliquer. On est parti! Voilà la belle Cersei! Alors, elle a déjà gagné 35 points sans rien faire, en s'étirant. Le célèbre critique d'art Adalbert faisait le tour du monde à la recherche de nouveaux talents et était de passage à Chabit. Cersei, la ménestrelle, savait que c'était une occasion unique. Si Cersei réussissait à prouver son talent au célèbre critique, cela serait extrêmement bénéfique pour sa carrière. Alors, elle doit payer aussi ses impôts, aller voir l'océan. Alors, attends, ma cocotte, tu vas aller payer tes impôts d'abord. Ici. Ah, payer les taxes. Oh, c'est cher! Mais meuf, payer tes taxes. Je sais que... Tiens, tu peux dire bonjour. Salut, Petir. Oh là là, je crois qu'il veut te tuer là. Bah dis donc. Voilà, vous connaissez un peu. Alors, tu vas aller à cet endroit après, puisque de toute façon, on pétir, c'était juste histoire de dire bonjour à notre petit espion préféré. Mais qu'est-ce qu'elle a? Ah ouais, elle est crevée, j'avais pas vu. Oh bah zut. Océan, répands sur moi le sel magique de l'inspiration. Si je ne trouve pas l'inspiration pour écrire les meilleurs poèmes de tous les temps, ça sera ta faute. Chercher l'inspiration pendant une heure. Alors déjà, tu vas, Bard, demander de l'inspiration. Bard, demander de l'inspiration. J'ai toujours ça de pris. Boire et manger, comme d'habitude. Boire et manger. Ok, super. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui pourrait donner de l'inspiration dans le coin? Non, bah tu vas rentrer. Immédiatement, tout de suite, parce que t'es crevèche. Et tu as tombé dans les pommes. Hop! Alors, tu vas chercher l'inspiration pendant une... Oh, t'as faim et t'as... Ouais, va dormir. Tu vas dormir tout de suite, ça sera mieux, ma cocotte, parce que là, on commence déjà l'épisode, elle est morte, quoi. Elle se couche tôt, mais au moins, voilà. On a notre ami Jack qui est là. Oh là, on a lui, le bouffon. Théophane, le bouffon. Qui s'était pris pour un roi l'espace d'un épisode avec Charleris. On n'a pas oublié. C'était vers le début, je crois. Aegon! Pas de bêtises, hein, Aegon, je te surveille. Tu es marié à la reine. Bon, après, elle se fera bouffer. Elle va se lever tellement tôt. Ouais, voilà. 4 h du matin, elle se lève. Tout va bien. Une soupe de pigeon. Le pigeon parisien, il a un goût certain. Voilà, c'est un slogan copyright. Tous ceux qui me feront du pigeon parisien à bouffer, vous me devez de l'argent maintenant. Voilà. Marque déposée. YouTube est donc ma preuve de cette inventivité débordante. Très. Ouais, ok. Ah, oh, d'accord. Qu'est-ce qu'elle fait, une batte de nouvelles recrues qui sont placées sur un signe? Ok, super. Oui, alors, trouver l'inspiration. Alors, non, c'est quoi? Chercher l'inspiration pendant une heure. Tu fais ça comment? Tu cherches l'inspiration comment? Chercher l'inspiration, c'est peut-être avec. Je sais pas. La reine qui couche avec son frère. Des proutes et des rois. je sais pas comment on fait.
Tu vas écrire une tragédie alors? C'est pas. Oui, bah, boire et manger, amour. Et. Ah ouais, j'ai pas beaucoup. Et amour, allez hop. Chevalier, noble. C'est bourgeois du 16e. Oui, bah on fait ce qu'on peut, hein. Alors, elles sont trouvées dans l'inventaire. Ok, mais c'est pas ce qu'il fallait faire, hein, chercher l'inspiration. Tu dois t'entraîner aux luttes pendant 2 heures et chercher l'inspiration pendant 2 heures. Mais attendez! Mais tu dois chercher où l'inspiration? Je comprends pas. Tu vas t'entraîner déjà. Voilà. Ça sera moins ça te fait pendant pour tes trucs là, mais. Chercher l'inspiration pour une barde, je vois pas où. C'est peut-être tout con, hein, peut-être que je l'avais déjà fait, hein. Oh, mes cordes de lutte sont cassées. Vas-y, fais chier ton monde. Entraîne-toi. Ok, ça c'est fait, tu peux t'arrêter. Ok, j'ai trouvé donc la réponse. En fait, ça dépend où l'on est et il faut aller dans un endroit. Par exemple, ici. Voilà, chercher l'inspiration. Et c'est trop cool. Parce qu'elle va chercher l'inspiration. Thème crime. Oh, c'est trop bien! Maladie et mort! Oh la vache! Les vagues qui s'écrasent, le flux, le reflux de marée, la brise, l'air salé, c'est enfin. C'est génial! Ça fait plein de nouveaux thèmes! Boire et manger, sport, sport. Boire et manger, sport, sport. Mais c'est cool! Ah, je vais pouvoir faire des trucs vachement plus sympas! Thème sport, ok. Non, tu vas pas rentrer! Ok! Bah écoute, tu vas aller ici. Ah non. Ah, trop faim. Bon, on va rentrer alors. Du coup, effectivement, on va rentrer à la maison. On va la faire bouffer. Mais ouais, c'est tout bête, mais qu'est-ce que tu fais pétir là, tu. Une soupe de pigeon encore. Mais c'est trop cool! Écrire un poème pour Adalbert, le critique d'art. Tu vas donc écrire un poème. Écrire un poème épique ou écrire un poème tout court? On va faire un poème tout court. Et j'ai des nouveaux trucs! C'est trop cool! Alors, thème sport, thème maladie et mort. Crime et amour. C'est pas mal ça. Le crime d'amour. Tu sais, moi, j'ai pas d'inspiration, là. Le crime d'amour. Voilà. C'est terminé. J'ai hâte de voir comment va réagir Adalbert, le critique d'art, devant mon chef-d'œuvre. Et c'est lui, Adalbert. Ah, bah, j'ai revu. Ah, bah voilà. Le crime d'amour. Enfin, je dis ça, mais je suis pas sûre que ce soit ça, mais. Lis votre poème, c'est ça. Je ne veux pas avoir l'air critique, mais tout ce que vous venez de faire était catastrophique. Aucun charme, aucune inspiration. Vous devez trouver votre voix intérieure. Ce n'est qu'alors que vous pourrez créer de l'art digne d'intérêt. Ce n'est pas très concluant, peut-être qu'une promenade en forêt me stimulera mon imagination. Allez, il te reste encore un peu d'énergie, on va en profiter. Cherche. Ciel et étoiles. Ah, oh, trop bien! Animaux et chasse. Ciel et étoiles. Oh là là, j'en ai plein! Faire une promenade inspirante dans la forêt. Attends, cocotte. On n'a pas fini. Je t'ai fait faire là, mais. Attends. Promenade inspirante, vas-y, en pleine nuit.
Tu risques de rencontrer des gens pas très commodes. En marchant dans les bois, Cersei commença à se détendre. Ah, c'est tout à fait ce dont j'avais besoin ces derniers temps. J'étais si stressée que cela embrouillait mon esprit et perturbait mes pensées. À peine avait-elle prononcé ces mots qu'elle entendit un énorme rugissement derrière elle. En se retournant, elle tomba alors nez à nez avec un ours affamé. Fuir! Cet ours avait l'air d'avoir très faim. Il était temps de ficher le camp. Amadouer l'ours. Puisqu'il fallait affronter l'ours, le langage universel de la musique lui ferait peut-être comprendre que Cersei la Ménestrel avait des intentions musicales. Je l'imagine trop qu'elle est en train de faire la 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 la. Et l'ours, il en a rien à battre, il s'énerve encore plus. Clah! Ah bah oui, bah c'est ça. En sortant rapidement son lit, Cersei commença à jouer lorsqu'elle avait jamais joué auparavant. L'ours la regarda d'un air interrogateur. What? Cela semblait fonctionner. Même un ours en colère ne pouvait résister à son talent musical. Mais Cersei s'était réjouie trop vite. L'ours chargea et arracha avec ses dents un gros morceau de son bras. Ah! Ah, c'est horrible! Hurlant de douleur, Cersei courut plus vite que jamais et parvint de justesse à s'en sortir vivante. A réussi l'état d'esprit grièvement lacéré. Oh merde! L'eau m'a mochée. Je devrais vite rentrer à la maison pour soigner mes blessures. C'est trop nul. Ah, vas-y, rentre à la maison. Ah, t'es un petit peu amochée, cocotte. Un petit peu. Ah! Un ours a lacéré le bras avec lequel je gratte les cordes. Comment pourrais-je jouer du luth désormais? Mon cœur bat si vite, mon sang coule par ma peau arrachée et ma chemise déchirée. Je devrais souffrir et pourtant je me sens plus vivante que jamais après avoir approché la mort de si près. Que d'émotion! Bah, ça te donne de l'inspiration! T'es où? Incroyable! Je ne sais pas si c'est à cause de tout le sang que j'ai perdu, mais je me sens plus jamais aussi créatif. J'ai besoin de mettre mes idées par écrit. Elle est complètement starbée. Écrire un poème. Alors, tu vas écrire un poème. T'es fatiguée? Vas-y, dors un petit peu alors. Je te réveille après. Ouais, 5 h du matin. Je vais la laisser dormir plutôt entièrement parce que sinon on s'en sortira jamais, quoi. Voyez, quasiment 9 h du mat, la meuf, hein. Tu vas te réveiller? Tu vas manger? Du gruau, parce qu'on n'a plus que ça. Et après, tu vas m'écrire un super poème. Alors, cette fois-ci, on va faire animaux et chasse. Et si. L'ours qui n'avait pas l'oreille musicale. Bah, attends qu'à faire, hein. On s'inspire de ce qu'on vient d'arriver, hein. Alors, oh là là, donc, ce poème est parfait. Et il m'est venu si facilement. Je dois tout cela à mon horrible blessure. C'est la révélation que je cherchais. La véritable inspiration vient de l'amour et de la perte, de la douleur et de l'extase, de la faiblesse et de la force. Il faut fêter ça. Un bon verre marquera les événements et atténuera un peu la douleur. Niveau 6, bravo! Elle va se prendre un verre de bière. Prendre à boire, vas-y. Bois un coup. Donc tant qu'elle est blessée, elle sera comme ça, je pense, en encore pour 1 heure. Eh, tu peux demander de l'aspiration? T'es même moi. Super! Non, c'est pas comme si j'en ai déjà beaucoup. S'enivrer! D'accord, tu vas reprendre un verre. Et reprendre encore un verre. Alors, j'ai besoin de remplir mon esprit de nouvelles expériences, bonnes ou mauvaises. Je sais que j'ai envie de me gaver, mais que puis-je explorer d'autre? Ah, franchement, pourquoi il y a un cochon? Je vais manger jusqu'à en être malade, ça compte comme du bien ou du mal, une seule manière de savoir. Bah ouais, mais t'as de la merde en plus dans toi. Quelle petite expérience Cersei, la ménestrelle, va-t-elle essayer? Se disputer avec quelqu'un, embrasser quelqu'un? Alors, se disputer, vu qu'elle est un peu cruelle sur les bords, donc. Elle est beurrée, elle a l'alcool triste. Oh, choupette. La moindre étincelle de colère peut se transformer en brasier consumant des empires entiers. Oh, c'est beau. Je dois réfléchir à mon côté sombre et voir le côté le plus laid de la nature humaine tel qu'il est. Très bien. Se disputer avec quelqu'un. Comment tu. Déjà, tu vas lui demander de l'inspiration.
Oh, vous vous aimez pas déjà, donc... Laissez éclater sa colère. Ah, elle va mieux, c'est changé. Méchante, crache au visage. Vas-y, 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 vas-y. Se disputer. Allez. Qui aurait cru que j'étais capable d'une telle colère? Je dois aller plus loin. Je dois savoir ce que cela signifie pour deux personnes de se détester réellement. Donc c'est déclaré comme ennemi. Ok, ça c'est facile. Oh putain. Oh, stupide sanglier, c'est pas mal. Demander si la personne fait exprès d'être aussi stupide. Ça c'est vrai, ça vaut pour beaucoup. Hein. Au boulot par exemple, moi j'en ai une qui est pas mal aussi. Insinuer une parenté avec Alama, ça c'est le truc des Sims. Hein. Son père c'est un parasite. Méchante. Jourdain comme ennemi. Alors, en fait, la haine est très puissante. Mais ce n'est qu'un combat émotionnel. Je dois encore découvrir le combat physique. Je dois trouver quelqu'un qui me frappera de tout... avec. Oh punaise, elle est folle! Participer à un combat à main nue. Bah tiens, tu... Non, tu vas te battre à main nue. Allez. Jourdain est sanguinaire. Je crois que je ne suis plus un... Je ne suis plus un amant qu'un guerrier. Je vais maintenant tenter de goûter au doux nectar de la romance. Ah, d'accord, il fallait qu'on embrasse quelqu'un. Alors Pétir est là, mais on va pas choisir Pétir quand même. Est-ce que tu t'es plutôt pas mal? Il faut que tu fasses. Recevoir l'aspiration de trois personnes et écrire deux poèmes. Trois personnes. Hop. Et puis, on va te demander à toi. Thème royaume et famille royale? Trop bien! Ça, c'est bon, écrire deux poèmes. Et casse-toi de chez moi, toi. Alors, on va thème boire et manger et thème sport. Voilà. Le gros. Qui. Joguait. Non, mais franchement, j'ai aucune. Inspiration, donc et amour et manger. Et amour et manger, ce sera... J'ai déjà mis je t'aime d'amour, je t'aime, je te mange d'amour, et ben je t'aime... Je te dévore comme une cuisse de porc. C'est pas possible d'écrire dans la merde comme ça. Ok, c'est bon, j'ai fait mes trucs. Je dois me gaver maintenant. Ada, la servante. Ah, bah c'est la femme de machin. Alors, tu vas demander l'inspiration à Ada, la servante. Thème amour. Ok, super. Merci de ta contribution. S'il faut que tu te gaves, faudrait peut-être que tu aies des trucs sympas à bouffer parce que tu vas encore nous faire la gueule si tu veux pas... Y a pas des graines là à choper? Ah si, tu vas... Ah non, tu peux pas. Cersei n'a pas la capacité de récupérer cet objet. Ah, crotte de merde. Est-ce que tu veux acheter des trucs? Tu vas acheter à manger. De la viande de cadavre. Ah oui, c'est mieux! Tu vas acheter de la tanche. De la viande de lapin. Des graines. Hop. Merci! On va se gaver maintenant. Oh, et si je la foutais avec Jack? Alors, tu vas faire à manger. Un porridge aux graines. Alors, tu vas manger. Bon, cocotte, parce qu'il faut que tu te gaves, apparemment. Donc, tu vas manger. Tu vas faire une soupe de tanche. Mange! Oh, mon ventre! J'ai l'impression qu'une tribu d'orques géantes danse à l'intérieur. Je crois que la prochaine chose que j'explorerai sera modération. Ok. Il y a tellement de souffrance, donc maintenant il faut qu'elle ait faim, d'accord? Et embrasser quelqu'un. Est-ce que tu veux pas embrasser elle, tiens? Romantique. Complimenter sa beauté. Amical, discuter. Est-ce que c'est autorisé les relations lesbiennes dans les Sims médiévales? Accorder la faveur. Je pense que oui. Louer les vertus.
courtiser. Être un romantique. Oh, ça y est, ça y est, ça y est, courtiser. Oh, elle se fait offrir. Oh, oh là 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 là. Attendez, premier baiser. Ah merde, elle s'est pris un vent, c'est pas possible ça. Oups, ça marche plus. Complimenter ça. Ok, merde, non, excuse-moi. Excuse-moi. Allez, fais un tour de passe-passe. Voilà. Mais Lysandre, elle fait du boucan, je vous raconte pas. Qu'est-ce que tu fais ? S'admirer. Non ! Mais reviens, madame ! Oh ! Oh, bah non, d'accord, je peux plus. Ok. On va se rabattre sur qui alors là ? Pétir. Oh, bah Mélissande peut-être ! Réveillée ? Mais elle dort pas. Attends, attends, attends. C'est là, romantique. Non, alors, vous avez déjà discuté. Voilà, on va discuter. Une bonne base d'amitié avant d'arriver sur des trucs un peu plus sexuels. Hein. Bon, t'as réussi à la complimenter ou comment ça se passe? Elle est où? Mélissandre! Mais non! Mais Mélissandre, pourquoi? Il faut que j'embrasse quelqu'un! Oh! Mais qu'est-ce qu'elle a? Fortement la serrer. Ah mince. Elle a perdu un combat à main nue, c'est vrai, j'ai oublié. Premier baiser refusé. Ok, merci. Mais comment tu marches, cocotte? Ça va pas, hein? Oh, Aegon. Aegon, nous allons t'embrasser. Bah, c'est... Non, hein, bien sûr que non. Mais... Alors, il est 2h30, va te coucher, parce que là, tu te remettras mieux après tout ce que tu t'es pris. Ce sera pas mal. Ok, elle est debout. Je vais pas lui donner à manger, puisqu'elle doit expérimenter d'avoir faim. Mais par contre, faut vraiment qu'on emballe quelqu'un, là. Il nous faut un gibier. Toi, Guilhem. Ou une fille, je vois bien une fille, je sais pas pourquoi. Est-ce que t'es belle? Est-ce que t'es belle, madame? Non. Est-ce que tu peux... Excuse-moi, là, on va aller voir. On va aller voir directement où elle est, la petite, là. Entrez, vas-y. On va aller voir Mélissandre. Moi, je vois bien Mélissandre. Je sens mon estomac gargouiller, bah oui. Mais je ne dois pas abandonner, je dois continuer à ne pas manger. Tout à fait, c'était ton... Elle est là, elle est là, elle est là. Alors attendez, déjà, je vais chercher de l'inspiration. Thème terre étrangère, thème guerre. Guerre. Ok. Tu vas rediscuter avec Mélissandre. Faire connaissance. Si elle est étoile, l'animal il chasse. Punaise, et tu t'arrêtes plus. Si elle est étoile, argent. Ah. Animal il chasse. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Viens discuter avec elle. Et tu vas lui dire qu'elle est jolie. Elle est enjôleuse. Discuter des œuvres artistiques. Comment ça va? Et cela devient très difficile, mais je suis pas encore allée au bout des choses. Je dois repousser mes limites, je ne dois pas manger. Alors, est-ce que... Enjôleuse. Ok, complimenter sa beauté. Demander autorisation de courtiser. Amical, discuter. Irrésistible. Complimenter sa beauté. Se tenir par la main. Accorder sa faveur. Oh, étreinte romantique, enlacée,
caresser la joue. Oh, mais j'y vais graduellement, hein. Sauter dans les bras. Ok. J'essaie... Se tenir par la main. Susurrer des mots doux. Romantique. Premier baiser. C'est bien agréable de s'embrasser, mais j'ai besoin de découvrir un lien plus profond pour pouvoir trouver la clé de la... Ok, d'accord, donc... Mais tu l'as embrassé? Embrassé passionnément, on n'a pas vu... Ah, voilà, il y a eu un bisou. Embrassé. Mais oui, il n'y a pas le lit dans les environs. Faire crac-crac avec quelqu'un. Bélissant, tu veux venir chez moi? Viens à la maison, on a un lit de place, nous. Je crois que c'est là. Hein. Taverne. Viens, Mélissande, viens avec nous. Il faut qu'on fasse crac-crac. Bon, Mélissande, on t'attend. Bon, qu'est-ce qu'on doit faire, là? S'entraîner au lit pendant 2 heures et payer vos impôts. Oh, putain, mais on va payer les impôts combien de fois par jour? Non, on peut pas ramasser. Payer les impôts. Ça commence à bien faire, hein, cette histoire. Vas-y. Hop. Je jure que dès que Mélissandre, elle arrive, meuf, tu... Oh non, les cordes du luth sont cassées. Allez, dépêche. Ok, ça c'est bon, ça s'affamé. On est encore... Tant restant 3 heures. Ouais, tu peux arrêter. On attend que Mélissandre arrive, hein, on est d'accord. Elle est là. Elle est là, elle est là, elle est là. Elle est là, elle est là. Mélissandre, tu es là. Ah, regardez une petite scène sympathique entre deux filles. Hop, 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 hop. Est-ce qu'il faut que tu fasses crac-crac? Ouais. Faut que tu viennes à la maison, là. Viens, Mélissandre. Viens, mais... Elle arrive, elle arrive, elle arrive. Oui. Oui. Oui, Mélissandre, viens faire crac-crac. Attendez, embrassez passionnément. Oh là, si. Ça va venir. Oui. Oui. Oui, nous allons y arriver. Hop, on fait le lit, puis après on y va. Alors on espère que personne va rentrer pendant ce temps-là. Hein. Merci, c'est nos appartements privés. Allez, nous on veut voir ça. Une scène, somme toute, pas courante dans de l'époque peut-être. Enfin, j'en sais rien. Oh, qu'elles sont belles. Et hop là. Je me sens si faible, j'ai été aussi loin que nécessaire. Quelle horrible sensation. Il est temps de manger et de revenir à mon état normal. C'était vraiment passionnant. À présent, mon âme et mon corps ont été suffisamment revigorés. Il sera bientôt temps de recommencer à écrire. Bon, alors du coup, tu vas... Qu'est-ce que tu fais? Dormir jusqu'à être bien reposé. Ok, oui. Mais alors, avant, tu vas bouffer, parce que sinon, tu vas crever. J'ai vécu tant de choses en peu de temps. Mais c'était pour l'amour de l'art. Après une bonne nuit de repos, je prendrai ma plume et écrirai un poème plus puissant que tous les amours et toutes les guerres. Cela montrera à ce critique ce qu'est le véritable talent. Voilà, elle est revigorée. Elle a mangé. Maintenant, tu vas dormir. Elle est longue, cette mission de ouf. Hein, mais c'est parce que c'est sympa. Ça fait, on arrive à trouver des choses sympathiques. Ah, je me sens frais et plein d'entrain. C'est le moment d'écrire. Alors, écrire un poème. C'est parti. Nous avons pas mal de thèmes. J'ai envie de dire amour et ciel et étoile. Ouais, voilà. L'amour de l'art. L'amour de l'air. L'amour.
Voilà. C'est vrai. C'est terminé. Comparé à cela, mon précédent effort était sans intérêt. Plus personne ne doutera de mon talent désormais. Ah oui. Tu vas déclamer le truc à Aldabert. Il est là. Lire un poème. Je te dévore comme une cuisse de porc. C'est n'importe quoi. Alors, vas-y. Ça alors, vous vous êtes amélioré, et pas qu'un peu, mais il y a encore une certaine retenue dans votre travail. Pour obtenir un art véritable, vous devez trouver ce qui vous retient et le surmonter. Tu me casses les pieds, hein. Partir en bateau pour une aventure à l'étranger. Aldabert a raison. Je ne sais plus où vont mon cœur, peut-être que mes. Je vous jure. Tu vas aller à cet endroit. On va aller. Puis on va chercher l'inspiration aussi là-bas, hein, tant qu'à faire. Histoire d'avoir des trucs un peu nouveaux. Tu vas chercher de l'inspiration. Voilà. Aventure, mer, océan, boire et manger, amour, terre étrangère, royaume et famille royale. Ça, c'est cool. Terre étrangère. Ah, c'est tout! D'accord, pardon, madame. Aventure à l'étranger. Allez, ciao, Sosei! À bientôt! À bientôt! Et tout à coup, le bateau fut attaqué par une baleine monstrueuse. En cas d'attaque de baleine, ce n'était pas le moment de réfléchir calmement. La seule réaction appropriée était de courir en hurlant et en agitant les bras. Logique. On ne pouvait permettre que cette montagne de chair puante coule un navire si prestigieux. Même Cersei la Ménestrelle attraperait un harpon pour combattre le Léviathan. Ah, j'aime pas ça, mais on va se battre. Malgré un certain manque d'entraînement, Cersei la Ménestrelle se lança et combattit vaillamment l'horrible monstre. Malheureusement, ses compétences ne correspondaient pas à son courage et elle subit une petite blessure en se cognant la tête avec le manche mal dirigé de son harpon. Quelle est conne. La baleine réussit à endommager le bateau au point qu'il fallut retourner au port pour le réparer. Elle reçut l'esprit léger à égratignure. Ça va. C'est pas comme l'ours qui lui a arraché la moitié du bras. Alors, on rentre à quai pour le taux de réparation. Okay. Fantastique. Le voyage est annulé. Et tout ce qui me reste, c'est le pain moisi qu'ils m'avaient donné pour mes rations alimentaires. Ah oui, ils m'ont dit que je pouvais prendre autant de pain moisi que je le voulais dans la cale du navire. Youpi. J'ai envie de tout laisser tomber. Adalbert, le critique d'art, sera peut-être de bons conseils. Ça me fatigue, ça commence à être très long là. Il y a des missions, laisse tomber quoi, on sait pas quand est-ce qu'elles finissent. Hein. Alors, demandez conseil. Je suis désolée pour votre voyage. Cependant, vous avez peut-être exactement ce dont vous avez besoin. Dans les cultures anciennes, les oracles mangeaient du pain moisi pour se provoquer des visions et obtenir des informations. Vous pourriez peut-être les imiter et avoir une vision vous aussi. Mais c'est dégueulasse! Mangez le pain moisi! Manger le pain moisi, il en reste sur le navire si besoin. Mais il faut que je retourne là-bas, c'est une blague? Pour que ce soit foot, non? Oh, crotte, hein, ça suffit de venir. Oui, pas de pain moisi, hein. Ça, c'est. Ah, si! Ah, il est dégueu! Il est vert le truc, regardez-moi ça. Ah. Par l'observateur, c'est ignoble. Ça a le goût de pied de chameau après une longue course. Même pas. Tu vas l'écouter, ouais. Je crois que attendre de voir si le pain moisi fait de l'effet. Non, je n'ai pas de vision. Si j'ai mangé ce pain pour rien, je ne vais pas être contente. En fait, je ne le suis déjà pas. Le goût dans ma bouche me donne l'impression d'avoir léché les murs de la fosse du jugement. Waouh, je n'avais jamais réalisé à quel point mes orteils sont bizarres. On dirait des sortes de petits doigts cachés dans mes chaussures. Je crois que le moisi commence à avoir de l'effet sur moi. Qu'est-ce que c'était? Qui est là? C'est comme c'est bizarre. J'aurais juré avoir entendu ma mère me parler. Mais elle est morte il y a des années. On aurait dit que cela venait du cimetière. Donc, allez au cimetière. T'es où, cocotte? Ah, t'es là. Allez, viens, on va au cimetière. Mais j'ai été demandé à la suivre, hein. Peut-être qu'elle marche chelou aussi, hein. Ça serait rigolo. C'est quoi ça? Emma, vision fantomatique, d'accord. Tu peux chercher de l'inspiration avant? Maman, comment est-ce possible? Tu es morte il y a des années. Que se passe-t-il? Une seconde, je suis un fantôme, ce pain m'a tué. Maladie et mort, ouais, crime. Ah, c'est pas mal, on a récolté pas mal de trucs.
Parler avec la vision. Ouais, dis donc. Je savais pas qu'il y avait fantôme dans Nous ne sommes pas des fantômes, bon sang. Tu as juste une vision provoquée par les moisissures. Mais c'est une vision utile. Écoute bien. Tu as un esprit brillant, mais beaucoup de peur dans ton cœur. Tu te mets des limites qui n'ont pas lieu d'être. Libère-toi de ta peur et tu trouveras la force de réaliser tes rêves. Et maintenant, va montrer ta force au monde entier. Ton père et moi sommes très fiers de toi. Ok, je sais pas où il faut aller, mais on va y aller. À la forêt. Bah, il y avait longtemps. Tiens, tiens, tiens. Alors, nous allons en retraite spirituelle dans la forêt. C'est ça. Allez, go! Cersei la ménestrelle entra dans la forêt et les arbres commencèrent à se tordre et à se transformer. Le sentier arrière, derrière elle, fut rapidement barré par des branches et de la broussaille entremêlée. Impossible de revenir en arrière. Super. Un ours, encore gigantesque comme elle n'en avait jamais vu, était en travers de son chemin. L'animal émit un cri terrifiant et des flammes blanches fusèrent de tout autour son corps. Je sais plus parler, je suis désolée. Ses yeux d'un noir profond croisèrent le regard de Cersei. Il se mit alors à l'observer d'un air menaçant, comme s'il lui disait « Que vas-tu faire maintenant, minuscule humaine ?» Alors, j'ai le sentiment que cet ours fantôme pourrait être réceptif à une conversation courtoise concernant sa tendance à effrayer les gens innocents et à gâcher leur promenade dans la forêt. Un ours fantôme couvert de flammes blanches? Où est le problème? À l'attaque! Allez, on va parler à l'ours. Il va encore se faire taillader les bras. L'ours arrêta de hurler et s'assit juste à côté de Cersei. Une voix qui semblait à la fois venir de l'ours, mais aussi de la bardesse, commença à parler. Je t'attendais depuis très longtemps, bardesse. Tu es destinée à faire de grandes choses, si tu le veux. Tu deviendras plus puissante que tu n'aurais jamais pu l'imaginer. Quand l'ours eut fini de parler, il disparut. Cersei réalisa lentement qu'elle était assise dans une flaque de boue et qu'un écureuil la regardait d'un air interrogateur. Ah, oh, c'est de la bonne, hein, ce que t'as fumé, ma belle. Hein. C'est de la bonne, hein. Alors, je comprends maintenant ce qui me retenait, le temps d'écrire et de jouer le chef-d'œuvre que j'avais en moi depuis le début. Ouais, tu peux chercher de l'inspiration. Et après, tu rentres. Voilà, on a plein de thèmes en plus. Plein de thèmes en plus. Ta da ta ta ta. Ta-da-da. Waouh, superbe. Tac, 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 tac. Mais j'ai voulu aller sur elle, hein, monsieur. Alors, il faut qu'elle fasse écrire une pièce. Alors, écrire une pièce, déjà. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Par toi. Écrire une comédie. Une comédie? Une pièce. Écrire une tragédie. Une comédie. Ah merde! Bah, je vais écrire une tragédie plus qu'autre chose. Alors, on va choisir, on a quatre thèmes. Crime, nature, amour. Pff, alors, en vrai, le nom, j'en ai aucune idée là. Guerre. Crime, guerre, nature, amour. Chevalier, roturier. J'en sais rien. J'ai pas d'imagination. J'ai abs d'imagination. Voilà! Hein? C'est un super titre, ça. Croyez pas? Cersei, oui! Oui! C'est probablement la meilleure pièce que j'ai jamais écrite. C'est le moment de la jouer. Ok! Eh ben dans ce cas-là, on va la jouer poil au nez devant les gens, poil aux dents. Jouer une pièce. J'en sais rien, j'ai pas d'imagination. Recruter un acteur pour commencer la pièce. On va recruter un homme, peut-être. Ah, il y a Mélisande qui est là. Non, on va. J'ai cru que c'était Shirley Reese. On va recruter lui. Recruter un comédien. Ouais, allez, on va recruter Clarence. Commencez la pièce. Allez, on va observer ce. Oh là là. Ah, bonjour. Il est à fond, lui. Hein.
Ok, d'accord. À chaque fois qu'il y a une pièce à jouer, elle fout des baffes, elle. Oh là là. D'accord, on va accélérer un peu parce que c'est un peu de la merde. Bravo, Sosei! Quand vous aurez un moment, pourrais-je vous parler de votre pièce? Parler de la pièce, évidemment! Alors, elle commence à pas être bien. Qu'est-ce qui se passe? Sosei, je voulais vous dire que je m'en vais pour toujours. Il n'y a plus besoin de critiques dans un monde où l'art parfait a été créé. Oh! Merci, merci, merci. Je m'aventurerai dans la nature et je marcherai et réfléchirai à votre chef-d'œuvre jusqu'à ce que mon corps s'épuise et que je meure. Oh la vache! Il est chelou, lui. Je préfère cela plutôt que de laisser mes yeux ou mes oreilles subir quelque chose d'inférieur à ce que vous venez de nous offrir. Merci, Sosei. Que la bénédiction de l'observateur soit sur vous. C'est flippant. Ouais, il est déjà en train de mourir. Et on a réussi la quête! La naissance d'un auteur. Waouh! Se dit Sosei la ménestrelle alors que la critique quittait. Alors que la critique. Le critique quittait Chavit. Je crois que cette pièce est un succès. Et on atteint le niveau 7 de la profession Bard. Et voilà pour cet épisode un peu long, je suis d'accord, sur les Sims médiévales, mais c'était sympa. En tout cas, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un like ou un petit message. Et je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour la suite des Sims médiévales ou d'autres choses. Allez, salut!